وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Aujourd'hui, nous trouvons la majorité des gens donner une importance à leur apparence et oublier qui est la base, ce qu'il y a dans les cœurs. Et ça, c'est l'état et le cas des Khawarij. Est-ce qu'il y a des hommes plus pieux après les prophètes, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ses compagnons, radiallahu anhum? Non. Pourtant, il a dit à ses compagnons, radiallahu anhum, vous allez mépriser vos prières par rapport à leurs prières, en parlant des Khawarijites. Les compagnons, ils vont mépriser leurs prières par rapport à leurs prières. Et vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne. Ils lisent le Coran, mais le Coran ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire, ça reste dans la bouche, ça ne touche pas les cœurs. Ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche transperce sa proie, sa cible. Donc eux, ils ont donné de l'importance à l'apparence. Ça a été rapporté dans les hadiths. Ceux qui ont été parmi les sahaba, les voir pour les convaincre, comme Abdullah ibn Abbas, il les a vus, les visages marqués par l'adoration, par le jeûne. C'est-à-dire, quelqu'un, il les voit, il les prend pour des gens pieux. Il les voit dans leur apparence plus pieux que les sahaba. Mais en réalité, ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche ne transperce sa cible. Car ils ont donné une importance à l'apparence, mais ils ont oublié quoi? L'essentiel. Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le Coran, il ne dépasse pas leur gorge. Ça ne touche pas les cœurs. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.